le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Soyez tous les bienvenus dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Je vous asseoir un peu, merci. Je vais vous apprendre des petits couplets. C'est une chanson que j'ai chantée ici quand j'étais tout petit. Et certains anciens vont connaître ça. Prends-moi par la main, mon père. Prends-moi par la main, mon père. Pour que jamais je ne m'égare. Prends-moi par la main. C'est difficile. En Lingala, on chante ça. Si maloboko yotata, si maloboko yotata, poyete ngaina bungate, si maloboko. Combien se rappelle de ça? Levez les mains. De tout le monde, c'est bien. Prends, on va monter un peu la gamme. Allez-y. Prends-moi par la main, mon père. Faut monter encore. Prends-moi par la main, mon père, pour que jamais je ne me gare. Prends-moi par la main. Non, c'est toi qui jouais ça avant, non? Mais joue ça. Hein? Prends-moi par la main, mon père. Prends-moi par la main, mon père. Pour que jamais je me gare, prends-moi par la main. Allons-y, prends-moi par la main, prends-moi par la main, mon père, prends-moi par la main, mon père. Jamais je ne m'égare, prends-moi par la main, prends-moi par la main, prends-moi par la main, mon père, prends-moi par la main, mon père. Jamais je ne m'égare, prends-moi par la main, prends-moi par la main, prends-moi par la main, mon père, prends-moi par la main, mon père, pour que je ne m'égare, prends-moi par la main. Oh, prends-moi par la main, prends-moi par la main, mon père, prends-moi par la main, mon père, pour que jamais je Maloboko, si maloboko, yo dat.
kasi malobogo yotata po yete ngai na buka te si malo. Oh, Simbaloboko, Simbaloboko, Yotata, oh, Simbalaina, Loboko, Yotata, oh, Yete, Gaina, Bungate, Simbaloboko. Allez chanter. Simbaloboko, oh, Simbaloboko, si. Tiens ma main, Seigneur. Yota. Simba, Simba, Gaina, Loboko. Yota, ta, po. Yete, Gaina, Bungate, Simbaloboko. Oh oui, prends-moi par la main, prends-moi par la main. Chante, mon père. Prends-moi. Prends-moi par la main, mon père, pour que jamais je m'égare. Prends-moi par la main. Oh oui. Prends-moi par la main. Prends-moi par la main. Mon oh oui, prends-moi par la main, prends-moi par la main, oh mon père, prends-moi par la main, mon père, pour que jamais je ne m'égare, prends-moi par. Oh, Simbaloboko, Simbangai, Naloboko, Yotata, Simbangai, Naloboko, Yotata, Po, Yete, Ngaina, Bungate, Simbaloboko. Oh oui, Simbaloboko, Simbaloboko. Tiens ma main, Seigneur. Yotata. Oh oui, Simbangai, Loboko, Yotata. Oh, Ete, Ngaina, Bungate, Simbaloboko. Alléluia. Oh, Simbaloboko, Simbaloboko, Ayotata, Simbangaina loboko, Oyotata, Poete, Ngaina bunga, Te Simbaloboko. Oh, Simbaloboko, Simbaloboko, Yotata, Simbaloboko, Yotata, Po, Yete, Gaina, Bungate, Simbaloboko.
On va se lever. Ton côté les mains. Prends ta Bible. Tu ouvres ça, ta Bible, tu l'ouvres dans Matthieu 25. Tu tiens ta Bible. Prends-moi par la main, mon Père, pour que jamais je ne me garde. Prends-moi par la main. Prends-moi par la main. Prends-moi par la main. Mon Père, prends-moi par la main, mon Père, pour que jamais je ne me garde. Prends-moi par là, c'est mal au boko si. Balo boko yotata simbangaina lo boko yotata bo yete gaina bungate si balo. Tendre et bien-aimé Père Céleste, ce que nous chantons est une prière. Ce que nous chantons vient du plus profond de notre cœur. Tiens-nous par tes mains, Seigneur. Tiens-nous par la main, Seigneur. Pour que jamais je ne m'égare. Pour que jamais je ne change de direction. Pour que jamais je ne suive un autre chemin. Pour que je reste toujours sur ton chemin. Prends-nous par ta main, Seigneur. Père, Tata. Cet après-midi, nous sommes venus avec nos cœurs qui ont besoin de toi. Des cœurs assoiffés de toi. Nous sommes venus avec foi que toi, tu vas nous parler. Père, Tata. Viens utiliser le don ce soir et parle à tes enfants, Seigneur. S'il y a quelque chose qui nous manque, que tu nous l'accordes ce soir. Toi, tu ne rassembles pas un peuple en vain. Si tu nous as rassemblés ce soir, cet après-midi, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu vas ajouter dans nos âmes. Alors viens le faire, Seigneur. Pendant que le temps est encore là, pendant que la grâce est encore chez les nations, Seigneur, utilise-nous puissamment pour accomplir ton œuvre sur la terre, la tâche que tu nous as donnée. Voici ton serviteur qui est devant ce peuple. C'est toi qui as établi cela comme cela. Mais Père, nous ne comptons pas sur l'homme. Nous comptons sur toi. Seigneur, utilise le don pour le bien de tes enfants. Parce que tu as dit dans ta parole, si Dieu veut qu'un bien soit fait, il envoie ses serviteurs. Et je crois, Seigneur, que cet après-midi, comme tu veux faire du bien à tes enfants, tu as envoyé ton serviteur. Seigneur, ouais le don, Seigneur. Car le don, c'est toi, Père. Et parle à tes enfants. Où est l'interprète? Où est l'église? Ouvre nos oreilles spirituelles. Que nous tous nous soyons élevés dans les lieux célestes. Et que nous écoutons la même chose. Bénis ta parole qui sera lue. Et interprète cela pour chacun de nous. Pour que chacun de nous puisse comprendre ce que tu veux réellement dire. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, merci Seigneur.
Allons-y. Matthieu 25, verset 1. Jusqu'au verset 13. On va les lire tous ensemble. Allons-y. Alors, le royaume. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point de l'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute beaucoup de bénédictions à sa parole. Pouvez vous asseoir. Prenez aussi votre Bible. Allons-y dans 2 Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, chapitre. Oh. Allons-y dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Hein? 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 1 à 5. Molongo di bosoki na mitano ya mokapa mi bale. Allons-y. Reprenez ça. Allons-y tous ensemble 1 2 3. Vous laissez troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu apparaître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Amen. Amen. Allons-y aussi dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Je peux mon canal bosser avec Thessalonique, mon capoyaminé. Le verset 13 au verset 18. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18. Allons-y, allons-y. 1, 2, 3. Ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts.
Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, il au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Gardez-vous donc les uns des autres par ces paroles. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et que Dieu bénisse chacun de vous qui l'a lu ce soir. La Bible dit, celui qui lit et celui qui écoute sont bénis. Je crois que chacun de vous est déjà béni par la lecture de la parole. Amen. Alors cet après-midi, nous allons continuer notre sujet. Et je crois que dimanche, je pourrais le terminer si Dieu nous accorde l'occasion. Et je sais qu'il va le faire. À moins qu'il a quelque chose d'autre à ajouter. Amen. Et là, nous sommes en train de préparer le chemin pour arriver dimanche à la cérémonie de mariage. Est-ce que vous voulez arriver là-bas? À cette cérémonie de mariage? C'est très important. C'est le but pour lequel nous sommes ici. Je lisais une citation de Frère Branham. C'est ce matin ou hier que je le lisais. Frère Branham disait quelque chose ici dans « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit ». Il dit au paragraphe 16, il dit: je sais que pendant que vous êtes assis ici, et c'est votre période de vacances, vous sacrifiez votre temps que vous pouvez passer ailleurs pour venir à l'église. Cela montre où se trouve votre cœur. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre, Frère Branham? Vous qui êtes venu ici cet après-midi, cela montre où est votre cœur. Ça veut dire que votre cœur n'est pas ailleurs. Votre cœur est dans la parole. Alors tout celui qui est venu cet après-midi, son cœur appartient au Seigneur Jésus-Christ. Et vous qui m'écoutez partout où vous êtes, aux États-Unis, ça doit être le matin maintenant. Que Dieu les bénisse là où ils sont. Que chacun d'eux, Dieu prenne soin de son cœur. Frère Branham dit, c'est exact. Cela montre ce que vous êtes. Le fait de venir ici cet après-midi, cela montre ce que vous êtes. Et moi je vous dis que vous êtes les fils et les filles de Dieu. Amen. Amen. Parce que pour abandonner ses occupations et venir dans la maison de Dieu, cela montre où est votre cœur. La Bible dit, là où sera ton cœur, c'est là où sera ton trésor. Et si tu viens souvent ici, c'est que ton trésor est ici. Et je prie le Seigneur qu'il ouvre toutes les portes pour que tu reçoives le trésor.
Vous savez, au fur et à mesure que nous avançons vers l'enlèvement, il y aura beaucoup de découragement. Si vous partez là où les gens font la course, hein, le marathon, si vous partez là où les gens commencent, vous allez dire, mais ça c'est une grande foule de gens. Comment ils vont courir ici? Ils peuvent être parfois 1000, mais il n'y a qu'un qui arrivera. Et quand ils commencent à courir, c'est tout le monde. Mais, au fur et à mesure qu'ils sont en train de courir, il y a des gens qui tombent. Et arrivé là-bas, il n'y a que un qui va toucher le ruban. Et même dans le message, c'est la même chose. Mais toi, sois celui qui va toucher le ruban. Il y aura beaucoup de découragement. Je vous dis la vérité. Il y a même des gens qui vont dire, maintenant, lève-moi là, on dirait que ça n'existe pas. Depuis qu'on avait commencé en Koukabatéke. Non, l'enlèvement est une réalité. Retenez cela dans votre cœur. Ce n'est pas la parole d'un homme. C'est la parole de Dieu. Et au temps de Noé, c'était la même chose. Quelle pluie, quelle pluie, quelle pluie. Mais un jour, il y a eu la pluie. Au temps de Lot, c'était la même chose. Ces gendres étaient en train de rire. Comment ça? Le feu va descendre comment? Ils se sont moqués de lui. Et aujourd'hui, les gens se moquent de nous. Quel enlèvement! Et ça, c'est quel Dieu vous croyez ça? Mais moi, je retiens une chose. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Et même en vous. Jusqu'à la fin du monde. Il a dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai. Amen. Je vous prendrai afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Aujourd'hui, si les gens ne veulent pas le croire, moi je le crois à 100%. Amen. Retenez cela, mes frères. Et si vous venez ici, c'est parce qu'il y a quelque chose de divin en vous. Qu'aucun pasteur ne vous décourage. Qu'aucun prédicateur ne dise que vous êtes de l'enfer. Non. Vous n'êtes pas de l'enfer. Vous êtes du ciel. Confessez cela. Dites cela. Répétez cela. Et le ciel viendra dans vos âmes. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui a le monopole du ciel ici. Non. Le ciel appartient à Dieu. Et il fait rentrer celui qu'il veut. Je ne suis pas là pour vous dire, toi tu ne rentreras pas. Non, c'est Dieu qui décide. Et j'aimerais dire que si tu es là, c'est parce que Dieu a décidé que le ciel t'appartient. Recevez le ciel dans vos âmes. Moi je te prends comme mon ami ce soir. Voilà pourquoi je peux dire, vous êtes les gens avec lesquels je passerai l'éternité. Je ne regarde pas vos fautes. Je ne regarde pas vos erreurs. Votre Père Céleste avait tout prévu. Il est mort à la croix à cause de cela. Recevez la délivrance totale. Si votre âme était enfermée, que le Seigneur vous libère ce soir. Oui, monsieur. On a beaucoup dit aux enfants de Dieu qu'ils sont des païens. Et ils continuent à rester des païens. Je change de langage ce soir. Alléluia. Amen. La mère aigle, quand elle est venue vers l'aiglon, qui était dans la basse cour, il n'a pas dit à l'aiglon, tu es un poulet. Tu es un poulet. Non. Il a dit à l'aiglon, tu es un aigle. Même si tu es parmi les poulets, tu es un aigle.
Bongo. Et moi aussi je dis ce soir, tu n'es pas un païen, tu es un chrétien. Même si tu es au milieu des poules, tu n'es pas une poule, tu appartiens au ciel. Reçois le ciel dans ton âme. Et ce que j'aime, la mère poule n'a pas amené des ailes. La mère aigle n'a pas amené des ailes. La mère aigle n'a pas amené la force. La mère aigle n'avait rien amené. La mère aigle a amené seulement la compréhension. Quelqu'un peut dire un amen là-bas. La mère aigle n'a pas dit poussin. Oh, moi la soso. Toi tu es poussin, hein? Qui t'a dit toi, vraiment, rigole-toi, tu es un païen. Non. Frère Branham dit, on a trop dit aux gens ce qu'ils ne doivent pas faire. Mais on leur a jamais dit ce qu'ils doivent faire. Ne fume pas, ne bois pas, ne suis pas les femmes, ne porte pas les pantalons, ne fais pas ceci. Nous entrons dans la loi. Amen. Avec tout ça. Mais dis-lui que tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu. Le pantalon va partir. Les vernis vont partir. La mondanité va partir. Vous êtes les enfants de Dieu. Change ta coupe, ton accoutrement. Alléluia. Rappelez-lui ce qu'il est. Sa vie va changer. Et moi je vous vois ce soir, vous êtes les rachetés du Seigneur. Et j'aimerais vous aider ce soir pour atteindre votre but, pour atteindre le sommet. Et Dieu va vous aider par la parole. Est-ce que quelqu'un peut donner un puissant amen? Amen. Vous êtes ici parce que votre cœur est ici. Amen. Alors, nous avons vu le dimanche qu'il y a un cri qui a retenti. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Nous avons vu qui a donné ce cri-là. Qui a crié. À quelle époque on a crié. Nous avons vu que le cri-là ne vient pas à la première veille. Mais ça vient à la septième veille. Il y a sept veilles. Il y a sept âges de l'église. Éphèse, Simir, Pergame, Thyatire, Sardes, de Philadelphie, Laodicée. Et à chaque âge, Dieu envoie et envoyait toujours un messager. Et le premier messager dans le premier âge, c'était Paul. Après est venu Irénée, Martin, Colomban, Luther, Wesley et Élie de Malachie 4. Et Frère Branham, quand il avait dessiné les sept âges de l'église, écoutez ceci, le schéma des sept âges de l'église, c'est Branham qui a dessiné ça. Mais nous ne croyons pas ça seulement parce que c'est Branham qui a dessiné. Mais c'est un schéma que l'ange était descendu dans le Branham tabernacle. Et il a dessiné la même chose. Dites amen. Amen. La main de Dieu qui a écrit les 10 commandements, la main de Dieu qui a écrit sur le mur de Babylone est descendue. Frère Branham dit les gens étaient évanouis, les gens étaient tombés. Dieu lui-même a écrit Éphèse, Paul, Simir, Irénée. C'est quelque chose du surnaturel. Est-ce que quelqu'un peut donner un puissant amen? Amen. Notre message est plein du surnaturel. Et je crois que William Branham, notre prophète, est l'un des plus grands prophètes
de tous les temps. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de choses que Paul n'a pas dites. Paul a dit, je connais en partie, je prophétise en partie. Hein? Est-ce que Paul lui-même a dit ça? Je connais en partie, je prophétise. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Un jour, je connaîtrai comme j'ai été connu. Oh, que Dieu bénisse tous ceux qui sont venus dans le dernier âge. Alors, je disais qu'il y a sept veilles. La première veille qui typifie le premier âge. Et tous les veilles là, ce sont les âges. Mais nous avons vu qu'il y a un cri qui a été lancé. Un cri. Il y a un cri. Et dans 1 Timothée chapitre 1, 1 Thessaloniciens chapitre 4, on parle du signal. Et nous avons vu aussi avec vous que dans Apocalypse 17, on parle de la trompette. Et nous avons vu que tout ça, ça parle de la même chose. Hein? Le cri, la voix et la trompette. Ces trois ou quatre choses parlent de la même chose. Et c'est là où se trouve le mystère de l'épouse. Écoutez ça. Frère Branham dit quelque chose maintenant ici. On est parti. Il dit trois choses, l'enlèvement, paragraphe 130. Il dit trois choses arrivent avant que Jésus apparaisse. Est-ce que vous suivez ça? Amen. On n'a pas dit avant que Jésus vienne. Mais on a dit avant que Jésus apparaisse. Quand je suis dans mon bureau ici, le dimanche, quelqu'un peut dire, il y a trois choses qu'on doit faire avant que le pasteur n'apparaisse. On doit d'abord sonner pour que nous puissions rentrer. Après, il y aura le conducteur de chant. Et après, il y aura le moniteur de l'école de dimanche. Et après, le pasteur va apparaître. Est-ce que ça veut dire que le pasteur va seulement venir quand le conducteur, le moniteur de corps du monde sera là? Non. Il est là, mais il y a un mur qui vous sépare de le voir. Il n'a pas encore apparu, mais il est là. Est-ce que vous suivez ça? Et frère Branham dit ceci. Trois choses arrivent avant que Jésus apparaisse. Une voix. Un cri. Un cri de commandement, un cri, une trompette doivent arriver avant que Jésus apparaisse. Prenons le cri de commandement. Écoutez, frère Branham, Jésus fait ces trois choses pendant qu'il descend. C'est quand il y a déjà le mouvement de descendre. C'est là que ces trois choses se déroulent. Quand Jésus est assis, il n'y a pas de mouvement. Les trois choses là commencent pendant qu'il descend. Il y a un mouvement qui se passe. Et c'est là qu'il y a le cri, la voix et la trompette. Est-ce que vous suivez ça? Amen. Madame dit ceci. Un cri de commandement. Qu'est-ce? Venez arranger ça, ça ne donne pas. Qu'est-ce qu'un cri de commandement? Le cri de commandement, c'est quoi? C'est le message qui est proclamé en premier. Le pain de vie. Le pain de vie vivant. Manifestons l'épouse. Le cri de commandement. Le signal.
Parce que vous allez remarquer, lorsqu'on a dit voici le pou, la Bible dit les vierges ont pris leur lampe. Ils ont soulevé leur lampe. Ils commençaient à regarder s'il y a l'huile ou pas. C'est un temps de préparation. C'est un mouvement qui se passe. Est-ce que ma lampe est prête? Est-ce que je suis déjà prêt? Même quand les vierges là se sont réveillées, elles n'ont pas vu Jésus. Elles se sont réveillées à cause du cri. Elles ont regardé leur lampe à cause du cri. Elles ont senti qu'il n'y a pas l'huile à cause du cri. Elles ont compris qu'il faut l'huile à cause du cri. Le cri là, c'est un réveil. C'est un moment de rassemblement. C'est un moment de contrôle. C'est une période où on se regarde. Et frère Branham dit, le cri de commandement, c'est le message qui est proclamé. Maintenant je te pose la question, est-ce que le message a été proclamé? Est-ce que tu as écouté le message? Alors si tu as écouté le message, donc tu as reçu le cri de commandement. Et si c'est le cri de commandement, ça veut dire que Christ est en train de descendre. Quelqu'un peut donner un puissant amen. Amen. Christ descend. Christ en kokita. Pendant qu'il descend, c'est là où il y a le cri. C'est là où il y a la voix. Et la trompette. Madame continue. C'est le pain de vie qui manifeste l'épouse. Au paragraphe 154, il dit, la première chose qui arrive, c'est son message qui convoque l'épouse. Ce message ne convoque que l'épouse. Voilà pourquoi, mes chers frères et sœurs, personne ne peut imiter le message. Tu peux commencer à imiter le message. Si tu n'es pas de l'épouse, un jour tu vas t'arrêter. Parce que ce message n'appartient que à l'épouse, à la dame élue. Quelqu'un peut donner un puissant amen. Amen. Madame dit ça convoque l'épouse. Au paragraphe 152, il dit, premièrement, c'est le son, ou plutôt la première chose. Il a dit la trompette, ou plutôt un cri de commandement. C'est la première des choses. Ensuite une voix. Et enfin une trompette. Un cri de commandement. C'est le message qui prépare les gens. Ce message est venu pour te préparer. Ce message est venu enlever la mondanité en toi. Ce message est venu te rendre parfait. Ce message est venu te nettoyer. Ce message est le ticket du ciel pour toi. Recevoir le message, c'est recevoir le ciel dans son âme. Recevoir le message, c'est le ciel qui devient toi. Amen. Le message, quand cela est proclamé, c'est la vie des âmes de l'épouse. Tout celui qui est de l'épouse, il reçoit la vie quand il écoute le message. Amen. Écoutez ça. Il dit, c'est le message qui prépare les gens. La deuxième chose, c'est une voix. C'est une voix de résurrection. C'est la même voix forte qui dans Saint Jean 11, 38 à 44, rappela Lazare de la tombe pour être enlevé. Maintenant observez comment ces trois choses arrivent. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre ça? Amen. Branham continue. Branham au paragraphe 441, il dit, il a ordonné que ces choses soient. Et maintenant il doit envoyer ceci. La première chose qui arrive lorsqu'il commence à descendre du ciel, ah, quand
Quand tu reçois le message de Branham, quand tu reçois le message du temps de la fin, Jésus n'est plus assis. Il commence à descendre. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Lorsqu'il commence à descendre, c'est un cri de commandement. Qu'est-ce que c'est donc? C'est un message. C'est un message pour rassembler les gens. Que Dieu chasse la division dans le message. Le message n'est pas venu pour diviser. Le message n'est pas venu pour créer des conflits. Le message est venu pour rassembler. Je n'ai pas entendu un amen. Amen. Je n'ai pas le droit. Moi, pasteur Flavien, je n'ai pas le droit du message de vous diviser. Amen. 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 Je n'ai pas ce droit-là de vous séparer les uns les autres. Amen. Quel que soit le motif. Non. Amen. Non. 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 Un pasteur ne divise pas les gens. Un pasteur ne crée pas de groupe parmi le peuple. Un pasteur, c'est le pasteur de tout le monde. Et celui qui donne beaucoup de dîmes. Et celui qui donne 100 francs. Ils sont dans la même bergerie. Et ils ont les mêmes droits. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Un pasteur ne divise pas les gens. Il ne peut pas t'appeler pour te dire, un tel là-bas, faut plus. Hein? Faut le fuir. Hein? Je vois que. Non, 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 non. Si une brebis se comporte mal, le message dit ce qu'on doit faire. Prenons seulement le message. On n'aura pas besoin de manières politiques pour conduire l'église. Dans l'église, on ne file pas les gens. Pour voir qu'est-ce qu'il dit. Ça, ce sont des méthodes sataniques. C'est des méthodes machiavéliques. Est-ce que je peux parler contre cet esprit-là? Oui. C'est un message qui n'est plus prêché par les pasteurs parce qu'eux-mêmes, ils sont dans la filature. Non, un pasteur ne file pas les brebis. C'est sale. C'est sale de faire ça. Amen. Comment un père va filer son fils? C'est diabolique ça. Que ces esprits-là soient loin de cette église au nom de Jésus-Christ. Celui qui se comporte mal, nous avons le message. Appliquons le message. Allez le voir une fois, deux fois, trois fois. Il ne veut pas, on le dit à l'église. Il ne veut pas, on dit à l'église que lui, il n'est plus membre de notre église. C'est terminé. Pourquoi le filer? Pourquoi donner l'argent aux gens pour te rapporter les informations? C'est les méthodes politiques. Nous n'en voulons pas dans notre église. Vous tous, vous avez le droit de dire un grand amen. Amen. Oui. C'est bon quand ça sort de moi. Et le pasteur doit prêcher ça. Va d'abord écouter qu'est-ce que frère Samson est en train de dire. Non. C'est pas bon. Si frère Samson fait quelque chose, je dois lui dire ça. C'est ça le message. Et si quelqu'un vient vous parler mal de votre pasteur, il va aussi parler mal de vous-même aussi. Est-ce que je suis clair? Le message ne divise pas. Le message rassemble. Ça
Ça, c'est quel message qui commence à diviser? Un frère qui n'aime que quand on parle mal de quelqu'un. Quand on parle mal de quelqu'un, les oreilles souffrent. Quand on dit le bien de quelqu'un, les oreilles se ferment. Quand on dit que frère Samson fait bien, frère Samson, c'est un bon frère. Frère Samson, vraiment, c'est un bon chrétien. Mais dès qu'on dit frère Samson là, oh, nous, moi je le comprends. Hein? Il a fait quoi? Ça, c'est le démat. Est-ce que Dieu peut purifier notre église? N'écoutez pas le mal de quelqu'un d'autre. S'il est dans le mal, Dieu va s'occuper de ça. Toi, suis le message. Amen. Et dans l'église, il n'y a pas de clan. Oh, nous sommes les ressortissants de la Bouenza. Oh, nous les ressortissants du Poul. Oh, nous les ressortissants de l'Ekana. Il n'y a pas de ressortissants ici. Ici, nous sommes un même peuple. Et nous sommes les ressortissants du ciel. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Pas de réalité. Est-ce que c'est clair? Le message est là pour rassembler les gens. Un message est proclamé premièrement. C'est le temps de la préparation des lampes. Levez-vous. Préparez vos lampes. Quelle veille était-ce? La septième. Pas la sixième. Pas la sixième. La septième. Voici le pouls vient. Levez-vous. Et préparez vos lampes. Elles le firent. Certains d'entre elles découvrirent qu'elles n'avaient même pas de l'huile dans leur lampe. L'huile, c'est le Saint-Esprit. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, on a besoin de plus du Saint-Esprit. Raison pour laquelle tu es là. Quand tu écoutes la parole, ouvre le cœur. Le Saint-Esprit est en train de se fortifier à l'intérieur. Ne perdez pas le temps avec le racontage des gens. Surtout, une personne qui vous parle toujours des erreurs des autres. Je le dis avec fermeté. Lui-même, il n'est pas sauvé. Quand tu vois quelqu'un qui vient avec un bic rouge, nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes ici, nous tous, chacun a ses faiblesses. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Oh non, lui là. Frère, mais toi aussi, tu as des faiblesses. Qui parmi nous n'a pas de faiblesse? Même Jésus avait la faiblesse. Branham avait ses faiblesses. Flavia a ses faiblesses. Toi, tu as tes faiblesses. Si nous comprenons ça, on n'aura pas de problème. Si nous comprenons ça, on n'aura pas de discussion. La chose qui nous fait mal, c'est que nous voulons être saints et les autres sont méchants. Non! La Bible déclare, mettez le sceau sur ceux qui gémissent et qui pleurent, sur les abominations qui se commettent dans la ville. Ne mettez pas le sceau sur ceux qui sont saints. Ah, lui là, c'est un païen. Celui que vous appelez païen peut vous surprendre le jour de l'enlèvement. Faites attention. Occupez-vous de votre vie. Faites tout ce que vous pouvez faire pour que vous soyez au ciel. Ne vous occupez pas de l'autre. Tu ne connais pas la relation qu'il a au ciel. Amen. Est-ce que je suis clair? Oh non. Oh, lui, c'est un païen. Lui là, oh, moi je ne m'occupe plus de lui. Parce qu'il y a seulement une écriture que lui. Est-ce que vous savez que les Pierre et les Paul discutaient? Il se séparait par voir en queue de poisson. Amen. Frère Branham dit que toute incompréhension n'est pas toujours un péché. Amen. Il y a des moments où c'est une incompréhension, après Dieu lui-même sait comment il va régler ça. Mais nous aimons quelqu'un qui a l'incompréhension, mais qui dit amen à la parole. Amen.
Quand on dit frère Branham a dit, tu dois abandonner ta compréhension. C'est ça la preuve du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que je suis clair? Amen. Le message ne divise pas. Mais ça rassemble. Et s'il y a des gens qui doivent rassembler, ce sont les prédicateurs. S'il y a le désordre dans ce message, ce sont les prédicateurs. Amen. Je suis clair. Et je sens une sainte colère en moi. Comment les gens se rassemblent et tu prêches la haine? Que Dieu ait pitié de ces prédicateurs méchants qu'ils sont. Amen. Quelqu'un quitte sa maison et toi tu mets la haine en lui. Amen. J'ai senti une forte colère sortir de moi. Alors je disais ceci. Frère Madame dit, mais c'est le moment de préparer les lampes. C'est le temps de Malachie 4. C'est Luc 17. Quand le cri commence, c'est le temps de Malachie 4. C'est le temps de Luc 17:30. Donc nous sommes dans cette période-là. Parce que le cri n'est donné que dans la septième veille. Et c'est le temps de Malachie 4. Frère Madame dit, toutes ces prophéties, c'est parfaitement déclaré dans les Écritures. Ce qui se rapporte à ce jour, nous le voyons se dérouler ici même. Madame dit, c'est le temps où les prophéties commencent à s'accomplir. Il dit dans l'âge de l'église de Laodicée au paragraphe 294, il dit, ce matin même, en étudiant les types de ces vierges, au moment même où ces vierges endormies, bon, la Bible dit, souvenez-vous-en, pour les vierges endormies, quand le cri retentit, voici le pouls vient, c'est la venue du Seigneur. Le cri là, c'est la venue du Seigneur. Mais ce n'est pas la fin de la venue. Est-ce que c'est clair? Amen. C'est la venue du Seigneur. Madame dit, la prédication de la parole. Le cri là, c'est la prédication de la parole. Donc toi qui es assis là, qui écoute la prédication, c'est le cri de commandement. Madame dit, alors, qu'arriverait-il? Le temps est proche. Les bombes atomiques et tout le reste sont prêts. Est-ce que vous savez que les bombes atomiques sont prêtes? Le cri de commandement, quand ça vient, ça ne vient que quand on est déjà, on a déjà des bombes atomiques qui sont suspendues. Merci beaucoup. Quand les bombes sont là, c'est là qu'il y a maintenant le cri qui prépare les pouces. Et frère Branham dit, les bombes atomiques sont déjà prêtes. Et les prédicateurs parcourent les rues. Il n'y a plus le temps de se combattre les uns les autres. Les bombes atomiques sont là. C'est le temps où les prédicateurs doivent rassembler l'église. Amen. Si vous partez dans une église où on vous prêche la haine contre les autres, je vous le dis en tant que serviteur de Dieu, quittez là-bas. Amen. Quittez. Parce que si sur la terre je n'ai pas l'amour, c'est pas au ciel que j'aurai ça. Si sur la terre je ne peux pas supporter mon frère, c'est pas au ciel que ça viendra. Amen. Que Dieu pardonne les gens du message. Avec un si bon message. C'est malheureux. C'est horrible. Mais je sais une chose.
leur haine là ne rentrera jamais dans le cœur de l'épouse. Jamais. Que le Seigneur préserve ton âme contre la haine. Dites-moi un grand amen, mes amis. Amen. Frère Branham m'a dit, je suis parti là-bas. Je suis revenu. Et je vous le dis, il n'y a que l'amour qui rentrera. Je n'ai pas le droit de prêcher la haine ici. Et personne n'a le droit de le faire. Amen. Que Dieu nous nettoie tous. Le don urge. Amen. C'est la préparation. L'épouse va partir. Un chrétien ne soupçonne pas. Un chrétien n'attend pas le mal chez l'autre. Amen. Est-ce que je parle à l'église? Amen. Un chrétien n'attend pas la chute de l'autre. C'est des choses qu'on ne doit plus retrouver dans le monde du message. Un chrétien ne rit pas dans sa maison quand l'autre souffre. Un chrétien ne peut pas se moquer quand l'autre souffre. Amen. Non. Tiens. Amen. C'est le temps de Malachi 4. Madame dit. Le temps est proche. Les prédicateurs parcourent les rues et commencent à proclamer le message. Branham a prêché. Maintenant, les prédicateurs prennent le même message. Les prédicateurs n'ont pas un message. Les prédicateurs répètent le message que lui a prêché. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Moi, je n'ai pas un message. Je suis un répétiteur du message déjà donné. Et je vous dis la vérité. Branham a dit que l'enlèvement sera là. Amen. Oui, monsieur. Frère Branham dit, c'est le temps de préparation de lampe. Il dit, Alobi. Si tu vois ça, c'est que le prédicateur parcourt les rues. Mais aujourd'hui, il y a encore un courant qui est sorti. Oh non! Oh, vous attendez l'enlèvement? L'enlèvement était déjà passé. Les morts en Christ sont déjà ressuscités. Paul a dit, il y aura des gens qui vont vous dire, 2 Thessaloniciens, que le jour du Seigneur est déjà passé. Il dit, ne les croyez pas. Frère, nous attendons de voir Jésus là, littéral. Non, je pense qu'on dirait littéral. Tel qu'il était à Galilée. La même forme. Avec les traces de clous sur ses mains. Là où Thomas avait mis le doigt. Que personne n'enlève ça dans votre cœur. Amen. Il y a des gens qui sont fatigués à attendre l'enlèvement. On est déjà enlevé. Ils sont partis encore plus loin. On est dans le millénium. Maintenant, quand la prophétie de Kamala Harris s'est accomplie, maintenant, ils ne savent plus où ils sont. Oh non, la prophétie n'était déjà accomplie, c'est passé. Mais non. Le violet est là. Maintenant, qu'est-ce que tu dis? Nous sommes dans le millénium. Oh non. Frère Branham dit, dans le millénium, il n'y aura pas de voitures. Dans le millénium, il n'y aura pas des avions. Dans le millénium, le pape ne sera pas là. Maintenant, si vous avez un millénium spirituel, ça vous regarde. Mais moi, je suis un répétiteur de Branham. Voilà pourquoi dans l'église, il y a le désordre. Mais la personne ne sait même pas où est-ce qu'il va. Tout est déjà accompli. Avec la galère qu'on a ici, c'est le millénium. Avec toutes les maladies, c'est le millénium. Non, si c'est ça le millénium, repartons dans le monde. Non. C'est quoi ça? Ça, la millénium.
On construit l'église millénaire. On dort là parfois avec la fièvre millénaire. Oh non, vous attendez Jésus, c'est pas comme ça. Frère Branham est dit. Est-ce que je peux lire Frère Branham? N'ayez pas peur, c'est moi, 48. Il dit, je crois que c'est 80% ou quelque soit disant chrétien qui ne croit pas au retour physique de Jésus. Celui qui ne croit pas au retour physique de Jésus, c'est un soit disant chrétien. Amen. Amen. Hein? Amen. Madame dit ceci. J'ai entendu cela. J'ai des statistiques gouvernementales. Sur les différentes dénominations. Et j'oublie, c'est pire que je crois pas. Je crois pas à la naissance virginale. C'est pire. Qui ne croit pas à la naissance virginale? Comment quelque chose pourrait-il arriver? Comment pouvons-nous avoir un réveil dans cette nation? Quand vous ne croyez pas que Jésus va venir physiquement, comment on aura les réveils dans cette nation? Dieu, la parole là c'est la vie. La parole là c'est ça. Dieu a préparé une place. Et la place là, c'est là où tu vis là. Là où tu souffles là. Avec le chef de le logeur qui vient se mettre devant ta porte. Et c'est le millénium. Lisons Frère Branham. Est-ce que quelqu'un peut lire Frère Branham? Amen. Frère Branham dit. Il continue. Il dit, lorsque vous sautez au christianisme, la naissance virginale, vous détruisez son fondement. Quand vous enlevez ça, vous détruisez le fondement du christianisme. Amen. Frère Branham continue. C'est pas moi qui va dire ça. C'est Frère Branham. Dans persévérance, il dit la persévérance au paragraphe 256. Il dit, eh bien. Il y a beaucoup parmi nous des protestants à travers le pays qui ne croient pas dans la résurrection physique. Des centaines d'églises qui ne croient pas dans cela, dans le retour physique ou quoi que ce soit. Je crois, moi Branham, dans la naissance littérale. Je ne vous entends pas dire amen. Je crois dans la naissance littérale. Je crois dans la mort littérale. Je crois dans l'ensevelissement littéral. Je crois à la résurrection littérale. La seconde venue littérale. Tout en Christ. Amen. Est-ce que vous croyez à la venue littérale? Amen. Madame dit, enlevez le truc spirituel là. Spirituel en quoi? Nous on ne souffre pas spirituellement, on souffre dans la chair. Pourquoi vous voulez mettre des choses spirituelles? Alors que Dieu n'a pas fait ça spirituel. Amen. Pendant 2000 ans, Dieu n'a seulement préparé que les spirituels. Non, mais beaucoup de non, c'est des gens qui sont fatigués. Ils veulent que nous tous nous puissions aller avec eux. Je crois qu'il est pleinement Christ. Le même Jésus qui est monté. Le même Jésus retournera. Amen. Je n'ai pas entendu un amen. Il retournera littéralement. Très bien. Amen. Madame dit, je crois dans la personne du Saint-Esprit, il est ici maintenant. Sa vie agissant dans l'église. J'en vais gérer troisième partie au paragraphe 46. Il dit, et ici, l'autre jour, d'après les estimations, il s'est révélé que 99% des prédicateurs protestants à travers le pays, hein,
ne croit pas à la seconde venue littérale de Christ. Tout prédicateur du message qui ne croit pas à la venue littérale de Jésus-Christ, c'est un prédicateur protestant. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Oui. C'est un protestant. Azali moto, azali missioni. Répare à Kilombo centre là-bas. Zonga kuna na ba missioni. Je peux continuer? Ngai na koba. Frère madame dit. Ndeko bana mazakoba. 97%. Amen. Tukuli bwa. Réni la naissance virginale. Bazali ko boko wanga na koboya mbote ma. Frère madame dit. À quoi nos enfants vont faire face à bientôt dans 20 ans là? Si aujourd'hui on commence à prêcher ça, dans l'église du message, oh, n'entendez plus, oh, frère, mais c'est malheureux. Amen. Comment on n'attend plus? Tout est fini, tout est accompli, nous sommes. Mais c'est compliqué. Quand nos enfants vont grandir, ils vont écouter quoi? Merci Seigneur de nous avoir donné une église où la saine doctrine est prêchée. Où Branham est répété. Lisons frère Branham encore. Je veux gérer troisième partie. Oh Dieu, ramène-nous à la foi qui fut autrefois accordée aux saints. Branham continue. La semence du serpent. Au paragraphe 47. Nous croyons. Est-ce que vous croyez vous aussi? Nous croyons à la seconde venue de Christ. Les visibles. Amen. Le corps physique du Seigneur. Pas l'esprit. Branham refuse l'esprit de Jésus. Il parle du corps physique. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Pas l'esprit, Moli. Mais le corps physique du Seigneur Jésus qui revient en gloire. Nous croyons à la résurrection physique des morts afin de recevoir un corps pas vieux et ridé comme quand on va dans la tombe, mais un nouveau corps dans le bonheur suprême de la jeunesse. Ça c'est quel millénium? Faisons-toi un vieux. Ça c'est quel millénium? Amen. Comment? Ça c'est quel millénium où les mamans veulent se lever, ma colossale parce que c'est quel millénium? Amen. Ah, pasteur. Ça là c'est compliqué. C'est pas compliqué. Est-ce que c'est difficile à lire ici? Est-ce que vous lisez? Afin de vivre, il faut un corps jeune. Tout celui qui ne croit pas ça va pour toi chez l'engueroso. Afin de vivre pour toujours. Descends. Cela nous enthousiasme. Ah! Est-ce que ça vous enthousiasme là-bas? Oui. Frère Branham dit, la brochure, la descend là-bas. Branham dit, c'est l'union invisible de l'épouse de Christ. Le 25 novembre 1965. Dans moins d'un mois, il va mourir. Et il dit ça. Cela nous enthousiasme. Et nous savons que l'histoire arrive à la fin. L'histoire du monde est bientôt terminée. Nous sentons alors dans un jour nouveau. Le grand millénium. Comme tout croyant, je crois. Branham dit je crois. En un millénium, le règne de 1000 ans avec Christ, 1000 ans sur terre, le retour physique du Seigneur Jésus pour amener un peuple physique glorifié. Est-ce que quelqu'un veut donner un puissant amen? Amen. Nous croyons à un retour physique. Amen. Mm.
Ça, c'est pas au nom Branham, il t'a embrouillé. Il va partir à bientôt. Il a dit, nous croyons. Par son sang furicateur. Descends. Branham ajoute. Est-ce que les chrétiens sont là? Les croyants sont là. Branham dit, peu importe ce qu'a dit la science. Vous savez, dans le message, il y a trop de gens qui ont le jeu de mots. Amen. Regarde ici, là, apparaître. Ici, on a dit, regarde. Non, le message, on ne l'explique pas. Tu n'es pas le professeur du message. Branham a déjà prêché. Répète-nous ce que Branham a dit. Tu n'es pas notre enseignant. On a déjà reçu le prophète. N'ajoute pas ta pensée dans le message. Si tu es fatigué à attendre, repars dans le monde. Mais nous continuons. Amen. Est-ce que quelqu'un peut donner en puissance? Amen. Ou non? Peu importe ce qu'a dit la science. D'abord, de son frère, Branham dit ça quand? Le 24/11/1963. Les sceaux sont déjà révélés. Il dit, peu importe ce que dit la science, ce que dit tous les astronautes et tous les restes, peu importe à combien de millions de milles ils peuvent voir, tout cela n'a pour moi aucune importance. Branham a dit, tout cela pour lui n'a aucune importance. Qu'est-ce qui est important pour toi, Branham? Flavien, écoute ce qui est important pour moi. Il y a un ciel et il y a littéralement un Jésus-Christ là-haut qui reviendra dans une forme corporelle et recevra son église et son épouse. Cela a beau sembler être de la vieille histoire, mais c'est toujours la vérité. Dieu l'a dit, c'est ce que croient les croyants. Est-ce qu'il y a un croyant ici? Amen. Moi, je répète ce que Branham a dit. Oh, pasteur, tu répètes mal. Non. Je lis. Descends d'abord encore. Là, on va bien lire la citation là. Répare d'abord à la citation là. Bato, ça m'a mangongi. Les gens qui ont. Bayokango bien. Peu importe ce que toi tu dis. Ça ne nous regarde pas. Peu importe les interprétations que tu vas faire. Peu importe les brochures que tu vas lire. Nous restons avec ça. Hein? Descends. Peu importe. Non. Descends. À combien de millions ils peuvent regarder? Descends. Ils peuvent voir. Cela n'a aucune importance. Ta prédication n'a pas d'importance. Oh, moi je suis le docteur interne. Ah non. Un docteur qui ne respecte pas ce que Branham a dit, je ne le crois pas. Un docteur qui me sort des brochures, je le chasse de ma vie. Amen. Est-ce que je suis clair? Amen. Tu es docteur de la parole? Et répète-moi la parole. Ne va pas me lire tes livres des astronautes. Non. Le message est déjà parfait. Ce que Branham n'a pas dit n'était pas important. Ce qui était important, il nous l'a dit. Et nous restons sur ce que Branham a dit. Ne cherche pas ailleurs. Et Branham dit, tout ce que vous dites là, ça n'a pas d'importance. Mais ce qui est important, pour moi Branham, ce que je crois, il y a un ciel. Et il y a littéralement un Jésus-Christ là-haut qui viendra
dans une forme d'esprit, non, dans une forme corporelle. Recevoir son église et son épouse, cela a beau assembler à la vieille histoire, mais c'est toujours la vérité. Dieu l'a dit, c'est ce que croient les croyants. Qu'un croyant dise alléluia. Frère Branham continue. Dans la brochure, les choses qui doivent. Les choses qui doivent arriver. Amen. Les choses qui doivent. Amen. Frère Branham dit, c'est l'une des brochures où Branham a prêché avec onction. Ça a été prêché le 5 décembre 1965, à 19 jours de la mort de frère Branham. Dites amen. Amen. Branham, tu dis quoi? Dans les choses qui doivent. Amen. Qui doivent arriver. Oui. Écoutez Branham. Ne m'écoutez pas moi. Écoutez Branham. Branham. Ne m'écoutez pas. Oui. Écoutez qui? Oui. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous voulez écouter Branham? Oui. Que quelqu'un dit Branham, parle-nous. Bon, écoute-le bien. Et maintenant, je ne pense pas que le ciel soit un lieu comme je me racontais ma mère. Je crois que l'église a dépassé ce stade-là. De croire que c'était, il y a un siècle ou deux, il me semblait que les gens autrefois pensaient que tous ceux qui mouraient allaient au ciel et qu'ils avaient une harpe et qu'ils s'asseyaient là-haut sur les nuages pour jouer de la harpe. Bon, ils ne savaient pas, ils savaient qu'il y avait un endroit qu'on appelle le ciel. Mais si c'était le cas, tous les musiciens nous passeront devant. Si le ciel c'est pour les musiciens, alors biso yo to lali. Branham dit, si c'est ça, les musiciens nous dépasseront devant. Nous passerons devant. Voyez-vous? Mais ce n'est pas un endroit comme cela. Branham dit les choses qui doivent arriver. Le ciel, c'est pas ça. Il ne s'agit pas du tout de jouer de la harpe. Mais c'est quoi, frère Branham? Je ne crois pas que la Bible enseigne cela. C'était seulement une conception qu'ils avaient avant que la plénitude de la parole le voit le jour. Tout celui qui croit à l'ouverture de la parole doit croire à cette citation-là. Amen. Avant que l'ouverture de la parole ne voit le jour, c'est-à-dire l'ouverture des sept sceaux. Amen. Donc ce qu'on va dire ici là, ça sort de sept sceaux. Ça vient après les sept sceaux. Amen. C'est quoi, frère Branham? Les sept sceaux qui nous étaient promis pour cet âge-ci. Maintenant donc, nous comprenons cela. Je crois que le ciel est un endroit réel. Amen. Le ciel est un endroit réel. Tout aussi réel que cet endroit-ci. Voyez. Car c'est dans cet endroit-ci
que Dieu nous a fait commencer notre croissance spirituelle. Et je crois donc que le ciel est un endroit aussi réel que celui-ci. Et non un endroit où on passera l'éternité juste sur les nuages. Sur un nuage, nous ne serons pas constamment là à gratter notre arbre. Mais nous allons. Personne ne doit être têtu avec ça. Mais nous allons. Nous allons à un endroit réel. Où nous ferons des choses réelles. Où nous allons vivre. Nous allons travailler. Nous nous réjouirons, nous vivrons, c'est vers une vie que nous allons, une vraie vie éternelle. Nous allons vers un ciel, un paradis, paradis où comme Adam et Ève travaillaient, et vivaient, et mangeaient, et se réjouissaient dans les jardins d'Éden avant l'entrée du péché, nous sommes en route pour y retourner. C'est vrai, retourner. Le premier Adam nous a fait sortir par le péché. Le second Adam nous y ramène par la justice. Il nous justifie et nous y ramène. Est-ce que quelqu'un peut donner un puissant amen? C'est vers un ciel que nous partons. Il y aura un Jésus littéral. Alléluia! Oh, mais pasteur, mais tel qu'on a commencé là, Jésus littéral là viendra comment? Ne me pose pas cette question-là. Si Dieu a déjà dit la chose, alléluia! Ne regarde plus derrière. Va devant. Va devant. Et frère Branham dit. Alléluia. Il dit. J'ai lu l'écriture avec une douzaine d'évidences. Au plus, montrant que nous vivons dans les derniers jours. La génération qui verra Jésus-Christ retourner sur la terre. Je n'ai pas entendu un amen. Et je vous dis encore ce soir, aujourd'hui cette écriture est accomplie sous vos yeux. Est-ce que vous êtes la génération là? Descends, Branham dit, vous qui êtes à Tucson, vous qui êtes à Denver, vous qui êtes en Felon, vous qui êtes en Californie, vous qui êtes à New York, vous qui êtes relié par le téléphone aujourd'hui, aujourd'hui, cette écriture est accomplie sous vos yeux. Réjouissons-nous. Et soyons dans l'allégresse, car le mariage de l'agneau est proche, et son épouse s'est elle-même préparée. Lèvons nos mains, donnons-lui gloire. Vous tous donnez-lui gloire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Les rachetés du Seigneur. Que Dieu bénisse ton âme. Aujourd'hui, la génération qui verra Jésus-Christ retourner sur terre. Nous les vivants qui sommes restés, nous ne dévancerons pas. Que Dieu bénisse vos âmes. Et comme le temps urge, comme il n'y a plus de temps, je refuse la monotomie.
Amen. Mon automie veut dire rester toujours la même personne. Amen. Je refuse ça. Naboyango. Frère Branham me dit. Et l'aigle dans son nid. Je peux lire au paragraphe 15. Même dans ton salaire là, je refuse la monotonie. Ta maison là, je refuse la monotonie. Non, frère, tu dois dire amen à ce que je prêche. Je refuse la monotomie. Kaka 200 000. Je refuse ça au nom de Jésus. Je refuse la monotomie. Toujours locataire, je refuse ça. Je refuse la monotomie. Toujours esclave du péché, je refuse ça. Écoutez. La citation, la citation. Si c'est la citation de frère Branham, je suis contre. Alors, lisons. En Angola, on dit Vamla. Amen. Vamla. Maintenant, si quoi, le poulet ne sait pas de quoi parle l'aigle. Quand je prêche ici, le poulet ne comprend rien. Mais la mère et aigle est certainement décidée. Parce qu'elle est une véritable mère. Elle décide que ses enfants ne marchent pas comme les poulets. Ne marchent pas comme les païens. Elle veille donc sur elle. Jusqu'à ce que leur plume se soit pleinement développé. Alléluia. Amen. Elle veille sur eux. Et un jour, elle décide que c'est le moment de changer de position. Alléluia. Amen. Je suis si heureux. Je suis si heureux que Dieu ne nous garde pas dans la monotomie. Je ne te garde pas dans la monotonie. Toujours au même endroit. Avec le même problème. Que cela termine ce soir. Il y a constamment. Chez Dieu. Il y a constamment. Quelque chose de nouveau. Une bénédiction. Qui suit une bénédiction. Ce soir. Que la bénédiction suive encore. La bénédiction d'hier est passée. Qu'une autre bénédiction vienne sur toi. Je n'ai pas entendu un amen courageux. La monotonie. La monotonie. Je ne veux pas ça. Je n'aime pas la monotonie. Oli m'a dit sous l'eau, lobby kaka. Non, non. Mon Dieu est un créateur. Tout celui qui était dans la monotonie, qu'il sorte de là. Reçois une autre bénédiction. Si hier tu louais, maintenant achète la parcelle. Si tu achètes la parcelle, construis la maison. Si tu as construit la maison, construis une autre maison. Je n'ai pas entendu un amen courageux. Amen. Une bénédiction doit suivre une autre bénédiction. Que quelqu'un me donne un puissant amen. Non, ton amen là est trop faible. Lisons frère Branham. Les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel. Je vais lire un peu en bas là. Et vivre chaque jour dans la joie. Mes amis, hein? Les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel. Madame dit, mes amis, nous devons en arriver à certaines de ces choses. Nous devons arriver à certaines de ces choses. Ça veut dire je dois arriver. Non, tu dois, dis-moi, je dois arriver. Amen.
Où? Lisa. Nous devons arriver à certaines de ces choses. Chacun de nous désire bien manger. Non. Toi, tu ne fais pas bien manger. Chacun de nous désire bien manger. Virgule. Conduire une belle voiture. Virgule. Amen. Avoir ce qu'on peut avoir de mieux. Reçois ça. Reçois le mieux dans ta vie. Reçois le bien dans ta vie. Amen. Chacun de nous désire bien manger. Amen. Frère Paul. Frère Branham dit. Je vais vous donner la station dimanche. J'ai mangé tellement que je n'arrivais pas à me lever. Frère Branham a trop mangé. Il n'arrivait même pas à se lever. Oh, manger, c'est l'excellent. Branham avait bien mangé. Dites-moi un amen que je continue. On ne veut pas qu'on contrôle nos morceaux dans la main. Toi. Maman, comment les cannabis, le cannabis, toi. Yo, lis déjà combien. Non, ne nous contrôlez pas. Chacun de nous veut bien manger. Hein? Écoutez. Quand tu as besoin d'une bonne voiture, tu veux bien manger, tu veux avoir tout ce qui est mieux, Branham dit. Branham, peut-être que c'est mauvais. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Je ne vous reproche pas. Il n'y a pas de mal à ça. À manger bien. Dieu veut que vous ayez ces choses. Mais ne convoitez pas les richesses vaines de ce monde. Dis un amen. Amen. Dis encore un amen. Amen. Je crois ce que je dis là. Est-ce que quelqu'un peut me donner un puissant amen? Hein? Frère Madame dit, mais au commencement il n'en était pas ainsi. Au paragraphe 8, je vais lire un peu en bas. Il dit, je pourrais prêcher l'évangile de telle manière ou faire quelque chose qui aidera l'humanité souffrante à avoir un mode de vie plus heureux, un mode de vie plus sain. C'est mon sincère désir. Quel est ce pasteur qui fait que ces gens souffrent? Non. Frère Branham me dit, ta famille au paragraphe 43, que quelqu'un me donne un puissant amen. Avant que nous ne prions, écoute ça. C'est là où tu étais là. Comprenez-vous? Maintenant, ce que je veux dire, voyez-vous, c'est par la foi que nous faisons tout. Croyez au Seigneur. Croyez au Seigneur pour un emploi. Croyez au Seigneur pour qu'il cherche, pour qu'il vous donne la femme qu'il vous faut. Croyez au Seigneur pour qu'il vous donne le mari que vous devez épouser. Amen. Moi, je répète seulement le message. Toi, tu dois le croire. Oh non. Okay. Pasteur, prêche-nous le Saint-Esprit. Mais ça, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est le Saint-Esprit. Je prêche la richesse dans le message. Le message n'est pas un repère de pauvres. Le message n'est pas un repère de souffrants. Le message n'est pas un repère de gens qui ont raté la vie. Là où il y a le message, il y a la vie. Là où il y a le message, il y a l'argent. La Bible déclare, l'or et l'argent appartient à Dieu. Et c'est le Dieu là que je sers. Reçois l'argent. Amen.
Oh non. Oh, pasteur, prêche la vie éternelle. C'est Salomon a dit. Salomon a lobby. Boy. Seigneur. Colo. Ne me donne ni richesse. Bozu, ni. Bobo la pété. Amen. Ni richesse. Bozuke, ni. Bobo la pété. Mais donne-moi. Kasi, pesanay, le peu qui m'est. Amen. Oye, koki, nan, car. Pas bate, dans la richesse. Kata, bozu, que je ne puisse dire qui est Dieu. Na, wang, na, tena, lobate, et dans la souffrance aussi. Kata, ma, pas, si, pe, je vais te renier. Na, na, wang, na, yo. Quand tu souffres beaucoup, tu ne peux pas bien prier. Il y a des écritures que tu ne peux pas accomplir si tu n'as pas l'argent. Payez la dîme. Payez les offrandes. Il faut l'argent. Reçois l'argent au nom de Jésus-Christ. Amen. La vie éternelle va ensemble avec l'argent. Amen. Ça c'est quel message? Ça c'est quelle parole? Ça c'est quel Dieu qui laisse que son enfant souffre tous les temps? Croyez-le ce soir. Il va vous donner un emploi. Pas seulement l'emploi. Il va vous donner une femme. Il va te donner un mari. Amen. Ah pasteur, il va donner seulement une femme. Ça c'est bien. Bonhomme dit, croyez au Seigneur pour qu'il vous envoie de nouveaux meubles. Ton salon là est sale. On ne peut même pas manger dans ton salon là. Que Dieu te donne de nouveaux meubles. Que Dieu change ta maison. Je n'entends pas un amen. Répète-moi un amen. Amen. Un nouveau meuble. Amen. Chez toi, là, quand on vient là, on s'assoit sur une chaise. Là. Après, Yomoko Yili Soussou. Frère, qu'est-ce que tu as fait? Qui tu en es? Que Dieu te donne de nouveaux meubles. Frère, moi je prêche ce que Branham a dit. Si Branham n'a pas dit ça, je refuse. Mais s'il a dit ça, je suis têtu. Je suis têtu. Quand c'est Branham qui a dit, je suis têtu. Et aujourd'hui, je déclare que Dieu te donne de nouveaux meubles. Un nouveau salon. Salon Yassika. La armoire. Une table à bientôt quoi. Mais ça m'aurait pas calmé quoi. Quinqui, quinqui, quinqui. Il y a quand même quinqui, quinqui. Je peux changer ça. Zambé, à quoi qu'il bon la yango. Je ne sais pas si, frère, les citations de frère Branham, quand tu crois ça, ça crée la chose. Croyez au Seigneur. Il n'a pas dit pour qu'il vous donne. Pour qu'il vous envoie. Oh, reçois ce qu'on a envoyé. Reçois ce qui a été envoyé. Pour qu'il vous envoie des nouveaux meubles. Nzamba yebi ke nda kuna komi salete. Dieu sait que ta maison est devenue sale. Malgré ta propriété. Ata lokolo zali mopeto. Ata li basani batali wazetetetetete. Que ceux qui me croient ils disent amen aussi à la. Baye baza ko nimbanga balo amen na oyo. Suis. Quand le pot se vide. Tango. Et que la cruche ça sèche. Quand il n'y a pas de nourriture. Et que les enfants sont affamés. Non, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui croit ça. Quand les enfants sont affamés, frère Branham, je fais quoi? Croyez au Seigneur. Croyez au Seigneur pour tout. Voyez-vous, aussi longtemps que la chose est juste, croyez tout simplement au Seigneur.
Si sera, voyez-vous, cela viendra. Je n'ai jamais vu cela faillir de toute ma vie. Que Dieu vous bénisse. Croyez au Seigneur. Dieu n'est pas mort. C'est le même Dieu. Il peut t'enrichir aujourd'hui. Frère Branham dit, l'église devient ce qu'on prêche. L'église devient ce qu'on prêche. Comme je prêche la richesse, l'église va devenir ça. Comme je prêche la sincérité, l'église va devenir sincère. Comme je prêche des nouveaux meubles, l'église va les recevoir. Tout celui qui a la foi, qu'il dise Alléluia. Tu es béni. Tu es béni. Tu dois quitter la monotonie. Chaque mois, tu payes l'argent de loyer. Après, tu payes ça. Non, c'est la monotonie. Sortez-le au nom de Jésus-Christ. Une bénédiction après une autre. La bénédiction d'hier est passée. J'ai besoin d'une nouvelle bénédiction. Frère Branham me dit, si vous avez eu foi pour la bouique, ta petite voiture, tu as encore mis la foi. Tu as eu maintenant une... tu avais d'abord une... fort de thé. Après, tu as mis la foi, tu as eu une bouique. Mets encore la foi pour avoir une cardiaque. Frère Branham dit, il n'y a pas de mal à ça. Que le bonheur t'accompagne. Que la joie t'accompagne. Que le Saint-Esprit te couvre. Ce que tu ne peux pas avoir, que tu le reçois. Celui qui est venu vide ici, qui ne répare pas vide. Celui qui a eu un compte déjà fauché, le Saint-Esprit peut le remplir. Reçois une bénédiction. Une grande bénédiction. Que tes enfants soient bénis. Non, donne-moi un amen. La Bible déclare, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu injuste, abandonné, ni sa postérité, mendiant le pain. Je condamne la pauvreté ici. Je condamne ça. Donnez-moi un amen. Amen. Sors de cette mascarade là. Sors de cette monotonie là. Quitte la bassesse. Pendant que je prêche, que la main de l'Éternel te saisisse. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. On va prier. Amen, amen, amen. Oh, amen, amen. C'est tellement merveilleux ça. Croyez ça, mes amis. C'est des choses littérales, c'est littéral. Croyez ça. Le ciel est réel. Ma bénédiction est réelle. Mon Dieu est réel. Sa parole est réelle. Sa présence est réelle. Je vais dire au Seigneur, prends-moi par la main, Seigneur, pour que jamais je ne m'égare. Prends-moi seulement par la main. Prends-moi par la main, mon Père. Prends-moi. Allez-y, avec la gamme que vous avez joué ça. Oui. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont aux États-Unis. Alléluia. Que la pluie de la bénédiction tombe sur chacun. Mais je prends-moi par la main. Prends-moi par la main, mon Père. Prends-moi par la main. Oh, que jamais je ne m'égare. Prends.
par la main, prends-moi par la main, mon Père. Alléluia. Prends-moi par la main, mon Père, pour que jamais je ne m'égare. Si malo boko, si malo boko, yo tata, si malo boko, yo tata, oh, yete gaina bungate, si malo boko, oh, si malo boko, si. Ayotata si simbalo bogo yotata po yete ngaina bungate si balo bogo. Oh oui, prends-moi par la main, prends-moi par la main. Alléluia. Et mon Père, prends-moi par la main, mon Père, pour que jamais je ne m'égare. Prends-moi par la main. Oh oui, prends-moi par la main, prends-moi par la main, à mon Père. Prends-moi par la main, mon Père, pour que jamais je ne m'égare. Prends-moi par la main. Prions tous le Seigneur, priez.
maloboko si maloboko yo tata si maloboko yo tata bo yete gaina bo gade si maloboko o si maloboko si maloboko yo tata si maloboko yo tata bo yete gaina bo gade si maloboko o si maloboko si maloboko yo tata si maloboko yo tata bo yete gaina bunga te si maloboko owi po
Au nom de Jésus-Christ, je proclame l'évolution. Oh Gaius, mon bien-aimé, je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Sois prospère, sois béni, sois prospère, sois béni, sois prospère, sois béni. Que tout celui qui suit cette prédication, qu'il reçoive la bénédiction. Je défie au nom de Jésus les esprits de blocage qui freinent la vie des gens. Un homme qui est assis là, qui ne fait que regarder ma vie, dès qu'il y a un projet, il y vient. Je le maudis au nom de Jésus. Je maudis ce type-là. En tant que serviteur de Dieu, sous la commission de Malachie 4, je maudis son travail. C'est lui qui jette les mauvais sorts pour que ma vie tourne en rond, pour me faire tourner, me faire pleurer. Je maudis ce type-là. Qu'il soit maudit. Qu'elle soit maudite. Et qu'aujourd'hui, que je puisse crier victoire. Recevez la victoire du ciel. Recevez le changement dans vos vies. Recevez la gloire dans vos vies. Que le Saint-Esprit vous visite. Que votre travail soit béni. Que vos maisons soient bénies. Que tout ce que vous allez toucher soit béni. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Accompagne-nous dans nos maisons avec cette bénédiction. Nous t'acclamons pour ce bon culte. Nous poussons les cris de joie pour la visitation. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur. Que les malades soient guéris. Que tout celui qui est malade soit guéri. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous croyons ce que nous avons demandé. Et nous l'avons demandé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Yes, sir. Amen, 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 amen. Ooh. Yes, sir. Que Dieu te bénisse richement. Pendant que les Jacks sont en train de venir pour prier pour les offrandes. Seigneur Jésus-Christ, c'est le moment des offrandes. Que les mains de tes enfants soient bénies. Tout ce qu'ils ont apporté, Seigneur, que cela soit béni. Béni le travail de leurs mains, Seigneur. Que leur salaire puisse connaître un changement. Que leur revenu puisse connaître un changement. Tous ceux qui ont envoyé, tous ceux qui vont donner eux-mêmes, que cela soit béni. Que les mains de celui qui va donner, qui a donné, soient bénies, Seigneur. Que Malachie 3 s'accomplisse dans la vie de chacun. Tu as dit qu'une adoration sans offrande est incomplète. Tes enfants vont compléter leur adoration. Que cela leur soit accordé. Une grande bénédiction leur soit accordée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Alors, Vendredi, c'est l'avant-dernier jour. On va voir le ministère du Fils de l'Homme. Hein? Parce qu'il faut un magistrat ou un homme pour unir deux, un homme et une femme. Il faut un officier qui va officier le travail. Entre la tête et le corps, il y a un coup.
Et nous allons voir ce coup-là. Hein? Amen. Celui qui ne sera pas là vendredi, ça sera difficile qu'il comprenne dimanche. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse tous. Salue la personne qui est à côté de toi. Dis-lui un grand shalom. Shalom, shalom. 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 Hein? Merci beaucoup. Vous êtes très nombreux ce soir. Que Dieu vous bénisse.